Donc on se rassemble. Les voilà partis donc pour cette épreuve avec tout de suite aux avant-postes. C'est Superman qui a pris l'avantage avec tout de suite Sirius de Lys qui vient en seconde position. Versailles du Tiponche est en troisième position et tente de venir avec également Irish Coffee qui précède Indian Abou. On ferme la marche du peloton à plusieurs longueurs avec Rocketman, les concurrents qui sont maintenant à la mi-ligne opposée. Pas de changement notable en tête avec Superman, Alfred Madame qui a toujours l'avantage. Sirius de Lys, Loris Bourin en seconde position. Versailles du Tiponche, Thiago Lerner qui est troisième maintenant. Et qui va tenter de venir juste devant Indian Abou, qui n'est pas loin du tout. Irish Coffee tente de regagner des rangs également avec Camille Rossignol. On ferme la marche du peloton avec Rocketman. Les concurrents qui vont sont à la marche du dernier tournant avec Superman qui a les choses bien en main avec Alfred Malamet depuis le début de l'épreuve, alors qu'on vient maintenant en seconde position, bien calé dans son dos, et on progresse avec Irish Coffee qui va tenter de revenir avec Versailles du Tiponche qui est là également avec Indian Abou qui a regagné de nombreux rangs. Kazakh Martinez qui vient à l'extérieur. Les concurrents sont maintenant à la sortie du tournant, vont aborder la ligne d'arrivée. Il va rester maintenant 250 mètres à parcourir avec tout de suite Superman qui va tenter de repartir le plus belle après avoir supporté le poids de la course. Versailles du Tiponche qui va tenter de venir l'attaquer. Indian Abou n'est pas loin du tout et revient maintenant côté corde avec Rocketman également, les concurrents, et puis également Heatwave avec Matteo de Sdevaux qui s'est fait discret, qui va tenter de venir. Les concurrents sont à 100 mètres du disque final maintenant avec Rocketman qui a semble-t-il pris l'avantage avec Versailles du Tiponche, avec Heatwave qui est plus côté corde et qui va tenter de venir au poteau. C'est Versailles du Tiponche qui semble-t-il imposé à l'extérieur, puisque Heatwave était là également et le numéro 2 Rocketman était hors concours, donc le 2 hors concours, donc c'est...